explicatif sur comment unlock rapidement Ray. Donc le nouveau skin de Ray sur Battlefront, dernière mise à jour de Battlefront. Première étape. Rendez-vous au premier étage de château. Château de Maz. Oh, Takodana, pardon. Maz, voilà. C'est la gardienne. C'est tout. Je suis un 4v4, j'ai testé, j'ai Iden là. Ah. Mais est-ce que t'as réussi à tirer sur le panneau? C'est plus important. Voilà, premier étage. Première salle. Ici, on donne un shoot. On récupère une pièce. Après, on va au slave 1. Le slave 1 qui est dans la forêt. Hop! On saute. Comme ça, j'ai expliqué en même temps. C'est mieux. Que je fais. Et pas activer machin. Allez, go. On est ici. Devant trois interrupteurs. Là, on a des boutons. On a des lumières qui vont activer des boutons. Là, on peut faire ça. Clic gauche. Deux vertes. Enfin, un vert, deux rouges. On active celui de droite. Tout passe au vert. On a entendu la pièce. C'est ok. On retourne au château. Faut que t'es clair, je pense, avec Iden, ça marche pas. Ah ouais, peut-être. Peut-être qu'il faut le côté clair de la force. Le côté de la résistance. Je rappelle que là, je le fais en offline. Et pour avoir le skin à 100%, il faut l'avoir... Enfin, il faut jouer en online. Il faut jouer en assaut et en défense sur Maz, sur château. Après, vous vous mettez ici. Hop, devant le rouge. Non, pardon. Entre ces deux drapeaux, sautez là. Vous laissez tomber sur cette petite branche. Hop, vous activez. Pourquoi cette branche? Parce que c'est le drapeau de la 501ème. Ok, c'est le drapeau de la 501ème. On attend un petit son. La porte s'est ouverte. Vous descendez. Et là, enjoy. Si vous êtes en online, bien sûr. Et on active la porte. Tada! Wow! Ah! Bien évidemment, hein. Hop là! Ok? Et voilà, c'était comme ça qu'on peut débloquer évidemment le skin de Ray, mais... Sur le online. Sur le online. Tada!